Ceux qui nous marquent avec leur talent et leur qualité extraordinaire, celui qui va arriver va sûrement te plaire. Il s'appelle X-Men, c'est le crack du jour. Accompagné par Gérard Depardieu. Ce garçon... Ce garçon est extraordinaire. Moi, je l'ai découvert grâce à Willy Dombo. Willy Dombo, mon jeune frère Willy Dombo m'a parlé de lui et je l'ai reçu à Rien à Cacher d'ailleurs. C'est demain le rendez-vous à partir de 10h. Ce sera sur NCI et bien sûr sur Nostalgie. Ouais. On change juste de plateau. On change pour l'équipe qui gagne. Hein. Voilà. Et alors, trêve de parole. Ce que j'ai à dire n'est pas plus beau que les qualités de ce garçon. On regarde déjà une première vidéo qui est passée sur les réseaux sociaux. Tu me diras le nombre de vues que cette vidéo a eue. C'est parti une imitation, une parodie de notre frère, ton chéri. Ali Diarra Souba. C'est pas mon chéri, c'est mon grand frère. Dans ce studio, le DJ Rigata avec son nouveau concept intitulé Plume de poulet. Aussi. Alors, merci beaucoup pour l'opportunité que vous me donnez de pouvoir m'exprimer. Je suis DJ Solona Plakali Domou et mon nouveau concept s'appelle le Plakali. Alors, pourquoi j'ai choisi ce nom pour pouvoir faire le concept? Parce que simplement, le Plakali, c'est un plat ivoirien. C'est un plat qui fait la fierté des Ivoiriens. Nous n'allons pas rentrer dans un débat plakalistique. Hein. Nous, on va être clair parce qu'il y a des gens qui confondent un peu les choses. Quelqu'un qui a créé un concept qu'on appelle Plakali ne peut pas se vanter d'être un bon créateur parce que le Plakali, ce n'est pas un truc naturel. Essayer de chanter comme des DJ professionnels, faire de la teleco, et pour ce faire, nous avons des experts avec nous qui vont nous donner le style qu'il faut, les intonations qu'il faut et les mots juste pour pouvoir faire du baflé. Alors, c'est le nom que vous donnez à ce genre de teleco, ça s'appelle du baflé. Baflé nous m'aider. Il y a ma moto là. Amanamana, glou, glou, glou. C'est pas mal. Donc, le principe, je comprends bien, c'est de parler une langue qui n'existe pas. Respect. Respect. En fait, tu n'es pas seul dans ta tête. C'est pas comme on dit chez nous. C'est ça. Hein. Même les novelas aussi, hein. Tu les utilises beaucoup, oui, les novelas. Beaucoup. J'adore. Mm-hmm. Faut dire qu'il y a matière. Hein, ouais. C'est un superbe imitateur aussi, hein. Alors, oui, par exemple, bonsoir Alpha Blondie, bienvenue à la télé d'ici vacances. J'aimerais m'adresser, you know, à tous les fils de Dja qui nous suivent ce soir. Est-ce que les enfants de Dja sont là ce soir? Arafat, comment ça va? Oui, ça va super bien. Est-ce que la Chine populaire est là? Certains pensaient que j'étais parti, pourtant je suis toujours présent avec vous. J'ai pas encore bossé, ça va. T'as pas encore bossé à Salfo. Qui d'autre tu peux imiter? Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur ce plateau. Aujourd'hui nous avons des invités pour cette émission. Nous sommes avec Kadi qui a réussi à inventer quelque chose de très extraordinaire. Kadi. Oui, vous avez réussi à créer un chapeau qui arrive à retenir le vent. Là, je ne suis pas seul, je suis également avec Miss Gliss. Avec la glissaille, avec ses boucles d'oreilles qu'il faut vacciner très fort, s'il vous plaît. Moi, j'ai adoré les vidéos où tu fais de la narration. Tu as une caméra, disons un téléphone posté dans un immeuble, par exemple à Yopougon, dans une rue, oui. Et les gens passent et tu fais une narration. Ah, c'est voilà. Tu as fait ça? Voilà. Oui. Raconte-moi une scène, par exemple, qui a été la plus visionnée. La narration qui a été la plus visionnée. Donc, Côte d'Ivoire, où j'ai fait un monsieur qui communiquait. Mm. Et j'ai fait... Allô? Allô, Mariam? Ouai, t'es où? Pardon, faut dire à ta maman qu'elle arrive. Ouai. Ouais, il faut dire qu'à mettre poisson au feu, c'est Doom Côte d'Ivoire qui arrive. Il y a aussi la vidéo sur la CIE, où tu as fait Question pour un champion, tu as fait la parodie, oui, de Question pour un champion. Ah, c'est extraordinaire cette vidéo. Ça dit, je coupe, il fait chaud, je coupe. Ouais. Au nord, je coupe, au sud, je coupe. Du lundi, je coupe.
Oui. Là, ils jouent encore au go, je coupe. Hey, tu vas faire ça, ils vont couper ici. On vous adore, les rois du courant, de l'électricité. Alors, hier, j'ai dormi au chaud. D'ailleurs, il faut dire qu'ils ont été très fair play avec moi. Ils m'ont même contacté. Ah, ah bon? Ouais. Oui. Dominique Khalif, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Oui. Ouais. Et même le directeur général, Amadou Bakayoko. Mais ils ont contacté, c'était pourquoi? Pour me dire de continuer dans cette lancée, de continuer à faire des parodies. C'est l'autodérision pour eux. Exactement, voilà. Je pense que ça fait partie de leur stratégie une vidéo de communication. Dans le même style, pour montrer que c'est pas forcément méchant, mais c'est comme ça que les Ivoiriens aiment s'exprimer. Wow. Qu'est-ce que tu prépares là, par exemple, en exclusivité? Alors, oubliez-moi, imaginez que vous êtes devant votre écran et imaginez les scènes. Tu veux qu'on ferme les yeux aussi? Oui, si vous pouvez. Est-ce qu'on pourrait fermer les yeux? Fermez tout le monde. Papa, papa, papa. Comment tu vas? Oui, papa, je vais bien. Alors, tu es chez la voisine? Oui, papa, je suis chez la voisine. Maman est partie au travail. Tu n'es pas partie à l'école? Maman dit de rester chez la voisine aujourd'hui. Ok. Bon, je te présente la nouvelle nounou. C'est la nouvelle nounou? Elle est jolie de... Oui, c'est la nouvelle nounou. C'est elle qui va remplacer celle qui est partie. Donc, je vais aller lui présenter la maison. Donc, continue de jouer avec tes amis. Hein. Retourne chez la voisine. Ok, papa. Et avant, me créer des problèmes. Hein. Oh, laisse ça. Si elle lui avait pas dit ça, quand sa maman va venir, il va tout raconter ici. Hé, hey, faut pas me créer des problèmes de... Ta femme, elle vient à quelle heure? C'est pas maintenant qu'elle rentre. Allons-y. Quand on disait qu'au bureau, là-bas, je te vois pas bien. Hé, hey, Fred, tu me crées des problèmes. Arrête. Arrête. Hé, hey, Fred. C'est pas ici que tu vas dire arrête ça. Laisse-toi faire. Seigneur. Comment tu vas, mon bébé? Tu t'es bien amusé? Oui, maman. Maman, papa est venu avec la nouvelle nounou. Yeah. La nouvelle nounou? Comment ça, la nouvelle nounou? Ah, il dit que c'est elle qui va remplacer Tanti Sonia. Une nouvelle nounou qui va remplacer Tanti Sonia? Est-ce que d'habitude, c'est lui qui choisit la nounou ici? Attends, je viens. Va t'amuser, je viens. Fred! Fred! Oh, tu es trop bien, tu es la meilleure des femmes. Est-ce que tu disais ça? Au bureau là-bas, je ne te vois pas bien. Hein? Mais c'est ici, je sens que vraiment... Elle ne vient pas maintenant, ce n'est pas son heure. Fred! 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 Hey, attends, André, c'est ma femme. Hein? Ta femme, comment ça elle est? C'est ma femme, c'est ma femme. Cache-toi sous le lit. Je peux me cacher sous le lit toi aussi. Je vais me cacher sous le lit, pourquoi? Cache-toi sous le lit, j'ai dit cache-toi sous le lit. Ma femme arrive. Je n'ai pas dit que ça arrive, c'est pas un problème. Cache-toi sous le lit. Mais enfin, on te parle pas! Prada! Tu es traître! Ça sent le jouet!